des pionniers. Dans la petite ville de Westport, le vent soufflait très fort, si fort que les gens étaient fatigués et dormaient toute l'année. Il vient de l'Est, moi je mets la sieste quand il est à l'Ouest. Parez, allons, c'est les grappins! Il entra dans Westport, toute voile dehors, et vira par tribord dans la rue principale. Bien qu'il soit capitaine, c'était un homme de bar, et quoi de mieux qu'un bar pour fixer les amarres. Attention à l'ancre, bande de cancres! Sa voix, comme un orage, éclata du nuage, pendant que l'ancre, un peu volage, s'accrochait au poteau d'amarrage. Le monstre était enfin au mouillage. Les habitants, terrorisés, osèrent un à un se montrer pour contempler l'étrange chose. Ça ressemble à un chariot de pionnier, mais il n'y a pas de bœuf pour le tirer. Mais qu'est-ce que c'est? La différence était en haut, où, sur un pont, de l'avant jusqu'à l'arrière, un mât gréé d'une voile de misère et une barre de gouvernail lui donnait l'allure d'un bateau. Salut à vous, moussaillon! La foule se tenait aussi muette qu'une carpe devant le grand requin bleu. Seul le maire, Monsieur Homer, osa se jeter à la mer. Il s'éclaircit les amygdales et demanda au grand squale. Alors comme ça, qui êtes-vous, bonhomme? Qui je suis, moussaillon? Je suis le capitaine Smith, le baroudeur des océans, du Ponant jusqu'à l'Orient. Et si j'ai mis le cap à l'ouest, c'est que j'ai l'intention, tonnerre de Brest, de sillonner les grandes prairies, mon ami. Vos habits sont étranges, étrangers, mais ce chariot de pionnier nous est familier. Bien que sans une paire de bœufs ou de chevaux pour le tirer, il ne peut aller de l'avant qu'avec le vent violent du Far West. Bien raisonné, marin d'eau douce, mais assez discuté. Les cales de mon estomac sont vides et j'ai besoin de me caler, comme on dit à Cancale. J'ai la dalle, amiral, j'avalerai bien une soupe de poule. Il était capitaine et même commandant, alors il commanda à manger sur le champ. Servez-moi une pinte de bière brune et du bœuf. Aujourd'hui, il y a du ragoût de bison, dit la serveuse de la maison, la fille d'Homère, le maire, qui est donc son père. Une beauté aux cheveux roux, plus belle qu'une figure de proue, aux yeux comme des îles lointaines, plus bleues que la mer des sirènes. Elle marchait, la petite soubrette, avec la grâce d'une goélette. Le capitaine Smith donnait des signes de détresse et son cœur plein de tendresse lançait de fougueuses SOS. Molly, va voir à la cuisine s'il suit. Le capitaine et moi avons à parler affaires. Et les affaires, c'est une affaire d'homme. Alors va, tu dois avoir affaire, ma fille. Voyons, voyons, où en étais-je? Ah oui, c'était à propos de ce chariot de pionnier. J'ai une question importante à vous poser. J'ai bien vu que vous ne transportiez pas de passagers, mais est-ce que ce machin peut transporter des marchandises? Tu veux parier ta dernière paire de binocles? Mon rafio, c'est l'arche de Noé. Il pourrait embarquer une dizaine d'éléphants sans boire la tasse. Il suffit d'un peu de vent et en avant, droit devant. La prairie, ça ressemble à l'océan, en plus vert et en plus sec, c'est tout. Mais les vagues ondulées de l'herbe à bison emportent les voiliers au fond de l'horizon. Maintenant, jetez un coup d'œil à ce plan qui montre la piste du vieux Santa Fe. Pour s'y rendre, il faudrait 2 mois à un chariot tiré par des bœufs. Moi, j'y serai en 14 jours. Jacques Schaeffer était le meilleur comptable du comté. Avec son crayon à addition, il eut au fait d'arriver à la conclusion que l'opération avait du bon. Il est 4 fois plus rapide, bingo! Laissez-moi calculer la rentabilité. Oh, ça fait multiplier la mise par 4. C'est du gâteau! Nous pourrions affréter toute une flotte de chariots de pionniers! Bah les gars, qu'est-ce qu'on va se faire comme pognon? Oui, mais il faudrait qu'il soit plus grand à l'intérieur pour faire encore plus de profit, vous comprenez? Ça tombe bien, moussaillon. J'avais justement pensé à emporter les plans de ma goélette avec moi. Et comme par enchantement, il déroula le plan d'un fabuleux chariot à vent. Chers associés, signons le contrat qui nous lie pour la vie à la Prairie Clipper Company.
Alors c'est là et ça social, tout d'accord, on se serra les mains. L'argent fut versé pour que puisse commencer le chantier du très grand voilier. Il s'était au moins 30 pour faire la charpente. Travaillant jour et nuit. Du bois de chêne blanc pour le gréement. Et du cœur de boulot pour les roues du bateau. Quand le travail était fini, le capitaine Smith et Molly, chaque soir, se donnaient rendez-vous sur le pont du bateau à roues. Et le beau corsaire d'outre-mer racontait à la fille du maire des histoires extraordinaires. Mais le maire, son père, en était rouge de colère, comme un homard était au maire qui voyait d'un sale œil ce flibustier des îles flirter avec sa fille. Molly ! Oh, zut ! Rentre à la maison ! Tous ces marins ne sont que des coureurs de jupons ! Enfin vint le jour tant espéré où le vaisseau fut terminé. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux de voir ses roues plus grandes qu'eux et son mât couleur de soleil s'élancer fièrement vers le ciel. Chacun commentait les détails de la poupe et du gouvernail. Quel beau travail! Comme figure de proue, aux marchands de tabac, on avait emprunté un indien iroquois en bois. Tous les habitants du village étaient là pour l'appareillage. Il est beau, notre bateau! Il suffisait de l'effleurer pour qu'il se mette à avancer. Il est beau. Le grand vaisseau glissa tranquille jusqu'aux portes de la ville. Accompagné par la fanfare avant de larguer les amarres. C'est à Molly que revint l'honneur de baptiser le grand voyageur. Comme c'était jour de fête pour la population, on offrit de bon cœur une cruche de bourbon à l'Indien iroquois qui blanchit d'émotion. Devant les directeurs en habit de gala, Molly, sur la passerelle, monta à petits pas. Mais son père, le maire, s'écria : Molly, qu'est-ce que tu fais là ? Seuls les hommes montent à bord. C'était un ordre. Le capitaine Smith, en habit d'amiral, du haut de la passerelle, actionna le signal. C'était l'heure du départ pour la grande aventure. Accrochez-vous, matelots, je déploie la voilure. Et du haut du grand mât, il déferla la voile, puis mesurant le vent, tourna le gouvernail pour que la brise d'est souffle toute la toile et que le grand galion vogue vers l'horizon. Et mille cadrois se sont affaires à travers les champs de blé. Les directeurs en tremblaient de peur, c'est risqué d'être armateur. Dans l'océan vert du printemps, la proue fendant le vent. Le capitaine avait le cœur si léger qu'il se mit à chanter. Yippee-yi-yi, handy-ho-ho-ho, j'ai du vent plein les voiles, matelots. Paré à virer, mille millions de sabords, mais je boirai bien un coup de rhum d'abord. D'après mes calculs, nous filons à 60 à l'heure. 60 ? Nom d'une baleine rouge, le temps se gâte. Nous entrons dans les eaux de l'océan Indien. Les Indiens ! Suivez la flèche. Il y a du roulis, il y a du tangage. Accrochez vos ceintures de sauvetage. Stop, vous avez un grain ou quoi? Je veux rentrer à la maison. Ramenez-nous à Westport. Ramenez-nous à Westport. Ramenez-nous à Westport. D'accord, espèce de pingouin. Je fais demi-tour. Ça va souffler dans les hauts vents. Les directeurs perdant le nord, vers l'est il vira de bord et mit le cap droit sur Westport. Droit, c'est une façon de parler, car les roues étaient bloquées. Impossible de gouverner, le gouvernail restait coincé et le chariot à la dérive, sans pouvoir regagner la rive, tournait et virait sous le vent, faisant des cercles dans les champs, pendant que les pingouins directeurs hurlaient de terreur. Et chaque fois que l'équipage passait aux abords du village, 5 ou 6 pingouins en délire, comme des rats quittaient le navire. Quand le bâtiment fait naufrage, les banquiers s'enfuient à la nage. Tenez, regardez!
en voler une autre. Ah, quelque chose a dû les mettre en boule. Le capitaine Smith était maintenant seul à bord. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Mais soudain, un mirage, en plein cœur du naufrage, lui redonne courage. Molly, la fille du maire, apparaît sur le pont et lui dit d'une voix chavirée de passion. Je m'étais caché. Le skipper sentait battre son cœur. Mais non, d'une baleine bleue, je n'ai pourtant pas bu de rhum. C'est un vrai miracle que vous soyez à bord. Il faut vous mettre à l'abri parce que le temps se gâte. Croyez-moi, c'est une sacrée tempête qui arrive. Les tornades noires sont les plus terribles que je connaisse. Mon capitaine, n'abandonnez pas le bateau. Quand l'ouragan passe au Kansas, il faut que ça craque ou bien que ça passe. Et ce qui se passa ce jour-là, nul jamais ne le saura. L'histoire dit que le capitaine se battit plus d'une semaine dans la tourmente du typhon, sans jamais aller par le fond. J'ai décoincé le gouvernail! On va sortir de l'ouragan! Et cela fait plus de 100 ans qu'en sortant de cet ouragan, mais sans jamais en redescendre, ils sont entrés dans la légende et naviguent éternellement. Il y a des soirs où certains croient voir voguant dans le soleil couchant et traversant l'océan du temps, la grand voile gonflée par le vent, le capitaine volant dans sa caravelle et chantant pour sa belle damoiselle. Dans l'immensité du ciel, toi Molly et moi, nous voguons éternels vers les rivages d'or du soleil, vers les rivages d'or du soleil.